Bonsoir, donc je suis Christine Berthaud du collectif Gaspard. Avant de commencer à parler de l'appel d'offres et de la CNDP, je viens d'apprendre donc que M. Ramard est à Landivisio, et puis on reste en contact entre Gaspard, et lui dit que le pacte électrique breton a été signé le 6 janvier. C'est écrit sur document officiel 14 décembre. Voilà. Alors, non seulement il y a un déni de démocratie, mais on va aller jusqu'au mensonge peut-être un jour. Bon, alors, je vais vous parler de l'appel d'offres. L'appel d'offres, il est apparu à peu près mi-avril, par une consultation, est-ce que je pourrais avoir la diapo peut-être, parce que c'était intéressant, voilà. Donc au départ, nous avions trois cercles, et la centrale devait être implantée dans ces trois cercles pour un raccordement soit à l'Osquad, qui est près de Brest, au poste RTE, soit à la Martyre, notre poste, ou à Brénilis. Qu'est-ce qu'on lit dans cette consultation? On lit des choses qui nous interpellent un petit peu, nous collectifs, à savoir que il y aurait 1%, l'opérateur devrait reverser, enfin, aurait obligation de reverser 1%, de réserver 1% d'achat à l'État et de garder 99% de sa production librement sur le marché. Nous décidons, Gaspard, de faire une contribution qui a été officielle et dont nous l'avons auprès de l'État, et nous n'avons jamais eu de réponse. La consultation est là, vous pourrez consulter la consultation. Ensuite, mi-mai apparaît une note de présentation de l'appel d'offres. Là, on voit dans le document le mot « blackout », le mot qui fait peur. Comme disait Alain tout à l'heure, on nous menace d'avoir une terrible panne d'électricité. Plus particulièrement, ce serait bien si elle pouvait arriver en hiver et qu'on arrive de la neige, qu'on ne puisse plus bouger, etc. Or, bon, on va mettre les choses au point tout de suite. Hein. Un blackout, ce ne sera pas ça. Ce ne sera pas un manque d'approvisionnement, mais probablement un défaut de distribution sur le réseau. Pour que ça arrive, il faudrait qu'il fasse aller, on va dire peut-être moins 10, entre 19 et 20 heures, mois de janvier, et un gros accident sur une ligne de distribution. Gros accident, mais là, je veux dire, très gros, quoi. La ligne s'effondre. Donc là, effectivement, on a un blackout. Mais en aucune façon, ce serait un problème d'approvisionnement. D'ailleurs, on reviendra là-dessus, nous avons appris des choses assez inquiétantes, justement, sur les réseaux, l'entretien du réseau de distribution en France. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la note là, du mois de mai? Il y a un cercle qui s'agrandit, c'est celui qui vous concerne. Briec est dedans. Briec apparaît juste à la limite, vous voyez, le bas du cercle. À tout ça, je précise aussi que c'est quand même une centrale qui s'appelle la centrale dans l'air de Brest. Ça descend, hein? Ça descend bien, hein, l'air de Brest. Hein. Elle arrive jusqu'à Briec. Donc, bon, voilà, on commence à parler d'un renforcement du gazoduc. Un renforcement du gazoduc qui part de Nantes, qui monte vers Prinquio, et qui se dirigerait vers le nord. Renforcement à peu près sur 100 km. Et puis l'appel d'offres arrive, enfin, je vais dire, parce que c'est vrai qu'il a été probablement retardé pour des... Je pense que il y a eu un retard sur cet appel d'offres qu'on attendait quasiment au début de l'année 2011, hein, dû probablement à des conditions que vous allez voir, qu'on va développer, qui ne se prêtent pas du tout à l'installation d'une CCCG ici dans le Finistère. Hein. Et donc l'appel d'offres arrive le 27 juin, et là, un quatrième poste de raccordement apparaît, c'est Skividan. Alors Skividan, je n'ai pas mes lunettes, mais à mon avis c'est pareil, c'est en bas, c'est près de chez vous. D'où effectivement... On comprend après pourquoi ils ont agrandi le troisième cercle, le cercle de Brénilis qui de 25 km est passé à 30 km. Hein, Briec est dedans et Skividan n'est pas très bas. Et le gazoduc, le renforcement du gazoduc est confirmé. Alors, je sais que M. Le Pen a dit que c'était rien du tout de renforcer un gazoduc, parce qu'il en existe déjà un, mais effectivement c'est vrai. Il en existe un. À mon avis, ça va quand même faire beaucoup, beaucoup de travaux. Hein, doubler un gazoduc, et puis encore faudrait-il qu'il y ait du gaz à l'autre bout, parce que c'est pas du tout de renforcer le gazoduc. Si Montoire est réservé jusqu'en 2017 à 90%, si on met une centrale en fonction, où ira-t-on prendre le gaz, hein? On parlera un petit peu de l'approvisionnement gazier tout à l'heure. Le gaz, on n'en a pas en France, hein, on verra ça.
Donc, à la suite de cet appel d'offres, on décide, le collectif décide de déposer une saisine auprès de la Commission nationale du débat public. Pour cela, nous commençons à chiffrer les coûts. On a eu beaucoup de mal à faire comprendre à certains élus que c'était un projet d'État, c'est-à-dire que c'est de l'argent public qui va être investi. L'opérateur va arriver avec sa centrale, 350 millions d'euros à peu près, 300-350 millions d'euros, mais tous les raccordements sont à la charge de l'État, à notre charge, c'est de l'argent public. 60 millions en gros pour les infrastructures dans l'enceinte de la centrale, le renforcement du gazoduc, à peu près entre 80 et 110 millions d'euros, on verra qui sera choisi, qui sera le réélu, et jusqu'où le gazoduc devra aller. Ensuite, le raccordement au poste RTE, enfouissement des lignes haute tension, raccordement à l'eau, tout ça c'est de l'argent public dépensé. Et donc, nos experts calculent que nous arriverons à une fourchette basse comprise entre 155 millions d'euros jusqu'à 200 millions d'euros. Fourchette parce que il est difficile de déterminer exactement le précis, étant donné que nous n'avons pas le lieu. Mais nous avons pris des conditions optimales pour l'opérateur. Donc on arrive dans cette fourchette-là. Ça nous permet de saisir la CNDP. Pour saisir la CNDP, donc, un lourd travail, comme le disait Alain tout à l'heure, ça nous a pris plusieurs mois. Avec le bureau Horizon, on a pondu un dossier de 350 pages, qui a coûté quelques milliers d'euros, porté principalement par de l'argent de citoyens qui avaient envie de s'informer. Et nous déposons donc le 11 août ce dossier à la CNDP. On attend. Le 15 septembre, curieusement, nous recevons un courrier que nous n'aurions sans doute peut-être jamais dû recevoir. Un courrier non signé de la CNDP daté du 2 septembre. Bon, je précise, hein, on dépose le dossier le 11 août. Vacances de la CNDP. Le 2 septembre, on écrit un courrier qu'on nous expédie le 15 septembre en ayant oublié de le signer, nous disant « dossier rejeté ». Bon. On décide de ne pas en tenir compte et de continuer à travailler. Travail, qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là? On cherchait les appuis des élus. Il en manque. Ici, par exemple. Il en manque ailleurs aussi. Hein. Malgré ça, nous avons obtenu donc l'appui du Conseil général à l'arraché, on va dire. Le 27 septembre, BMO, beaucoup de communautés de communes, Landerneau-Daoulas, Olonne-Maritime aussi, je crois bien, et tout un tas de communes. Des députés européens, des députés nationaux, pas nationaux, il ne faut pas exagérer, européens, oui, des groupes politiques, etc. Bon. La CNDP rend sa décision le 5 octobre. Et effectivement, bon, je n'étais pas trop surpris, hein, mais c'est un rejet. Et là, c'est vrai que bon, on avait beau s'y attendre, nous étions quand même déçus. Parce que la CNDP, comment dirais-je, les textes fondateurs de la CNDP, c'est la Convention d'Aarhus. La Convention d'Aarhus dit que le public doit participer au processus décisionnel pour des centrales thermiques de 50 mégawatts. Nous, on est à 450 et on nous rejette ce dossier. Alors, on a interrogé, on a bien évidemment voulu savoir pourquoi. C'est très simple. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour déposer la saisine, il fallait être au-dessus de 150 millions d'euros. Nous, c'est allé, hein, on était dans la bonne fourchette. Eh bien, ils ont saucissonné. Ils ont tenu compte à part du raccordement gazier, tenu compte du raccordement au poste RTE, et tenu compte du renforcement du gazoduc. Tout ça séparément. Ils n'ont pas pris les coûts dans leur globalité. Voilà. Alors bien sûr, ils regrettent, nous aussi, pas autant que nous d'ailleurs. Donc ils ont interpellé le ministère de l'écologie sur ce problème, disant que la loi les empêchait de donner une réponse favorable. À ce sujet, une députée du Finistère également, Madame Leloc, a déposé une question écrite au gouvernement. Le 25 octobre. Hein, et il n'y a toujours pas de réponse. Alors on en est là. On a un dossier, on sent partout une volonté très ferme de s'informer, parce que c'est la démocratie, c'est pas le tout, comme tu disais tout à l'heure, d'aller voter, d'élire nos élus, et puis qu'ils prennent des décisions d'une importance aussi grave, sans nous informer. Hein.
On s'informe, on débat, on décide. Je crois qu'ici, il y en a certains qui ont tendance à faire l'inverse. Et ça, ça nous est vraiment insupportable. On continue à demander le débat public. Nous verrons bien jusqu'où ça ira. J'espère qu'on arrivera quand même à quelque chose de positif, qu'on puisse échanger nos arguments. Nous avons fait, le 21 octobre dernier à Guipava, nous avons fait une réunion publique avec le bureau Horizon. Là aussi, il s'est déplacé de Paris aux frais des citoyens. Nous ne sommes pas du tout subventionnés. Et à notre grande surprise, les élus brillaient par leur absence. Il y en avait quelques-uns, je dois le dire, mais il y avait des citoyens. On leur offrait la possibilité de venir s'informer. Ils ne sont pas venus. Alors nous, on dit que cette information, on doit quand même la transmettre. Et que c'est vraiment à chacun de nous d'aller taper à la porte de la mairie, là, lundi matin, non, elle est ouverte demain matin. Ben allez-y. Allez voir monsieur Le Pen et dites-lui, mais ça va, quoi. Pourquoi est-ce que vous n'écoutez pas une autre version? Pourquoi est-ce que nous n'aurions pas droit à être informés? Si vous, vous êtes informé, si monsieur Le Pen est informé, pourquoi juge-t-il que vous, vous n'êtes pas digne de l'être? Voilà.